Dis-moi où t'as caché mes chaussons. Non, jamais. Maman, il m'a tagué. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. Ma petite femme, oh, ça va aller, je suis là. Il faut craquer, j'en peux plus. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ma petite femme. Oh, alors là, je n'en peux plus. Ça coûte tout, fait déborder le vase, la neige. Oui, parce que déjà, le dernier coup, il m'avait attaché mes lacets entre eux. Et vous savez que lorsque j'ai voulu me relever pour payer la note, je me suis gamé par terre, la tête dans les croquettes pour chien, c'était horrible. J'ai dû me laver trois fois là dans la soirée. Et puis là, cette fois-ci, il y a eu l'autre gamin, Joe du bifton là, qui m'a balancé de lui bouillante dans le crâne. Et regardez un peu l'état de mon crâne. Alors là, je n'en puis plus. Je ne retournerai plus dans ce restaurant de forcené. Ah, cette petite diable. Ah. Madame Cigognani, aidez ses pauvres parents, monsieur du bifton et madame du bifton, il doit avoir mal partout, ils ont plus que un centime, même pas, les clients, il y en a plus un seul, et les du bifton, les parents, voient à la rue, s'il vous plaît, aidez-nous, je vous en supplie, je vous en supplie. Ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need a cure. I just stay affected if I can for sure. Ah, c'est vous les parents? Je suis venu vous sauver. Oh, allez, merci, je vais vous aider. Merci. D'ailleurs, c'est compté là, mais vous avez trois enfants, c'est bien cela. Oui. Et alors, où est la grande? Elle est dans sa chambre, c'est cela? Comme d'habitude. D'accord. Alors, je vais lui donner une bonne raclée. Voilà, je vais la chercher.
pour une réunion de famille. Oh, heureusement qu'elle est là. Ah oui, mais mémé, d'accord. Ouais, depuis samedi soir, on va prendre du panaché, on va être trop bourré. Hein. Ah, demoiselle, nous devons parler. Ouais, vous êtes qui, vous? Oui, c'est de vous que je parle. Ah si, plutôt que de passer du temps avec votre frère, votre sœur, votre papa et votre maman, vous préférez tweeter, mettre des likes et aussi envoyer des textos à votre petite amie, voire même plus ses affinités. Mais sachez, mademoiselle, que vous êtes mineure. 17 ans et demi. Vous habitez encore dans la demeure de vos parents. Vous devez les écouter et ne pas vous laisser happer par la manipulation mentale des réseaux sociaux et des émissions de télé-réalité comme l'ici à Ibiza avec Kev Adams. Et puis vous savez quoi, votre portable? Quoi donc, portable? Je vais le balancer à la fenêtre. Et attention, si vous continuez comme cela, mademoiselle, c'est vous qui passerez par la fenêtre. À trois, je le lance. Un, deux. Mais pourquoi vous le mettez vers la fenêtre? Et trois. Mec, vous êtes trop une tarée, hein, en fait. Et voilà qui est bonne chose de faite. À présent, jeune fille, vous allez descendre rejoindre votre famille. Car voyez-vous, il semble bien que la poitrine ne fasse pas la force de l'esprit. Descendez maintenant. Ok, je descends, mais c'est pas parce que vous me le dites. Hein. Parce que moi j'ai envie, wesh. Hashtag 12h. Wesh, en fait, c'est grave chelou, hein. Et si vous vous retournez, je vous en colle une. Vous souhaitez séduire de jolies demoiselles, mais vous êtes con comme un pot? Oui, en effet, bonjour, je m'appelle Jean Gérard, et j'ai 35 ans, et il est vrai que je ne suis pas une méga star dans ce qui est de la séduction du genre féminin. Comment pouvez-vous m'aider? Voici les fiches Bristol de prépa qui vont vous aider à avoir l'air intelligent tout en restant juste un peu con puisque vous ne faites que lire les fiches. Waouh! Que de savoir, que de connaissances! Je vais pouvoir rencontrer l'amour avec, sûrement! Ah tiens, voilà une passante qui passe! Bonjour, mademoiselle passante qui passe! Je souhaiterais vous citer quelques scénérades afin de vous séduire. Bonjour, je suis une passante qui passe. Oui, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien écouter vos scénérades. Anecdote croustillante. Le poids est en réalité la masse multipliée par la gravité. La gravité qui vaut à peu près 9,81 mètres par seconde au carré. Autrement dit, lorsque certaines personnes disent « mon poids est de 20 kg », c'est faux. Déjà, c'est peu. Et ensuite, il faut multiplier par 9,81 pour savoir le poids en newton. Sinon, c'est la masse en kilos. Ah ah! Oh, vous m'avez conquis! Je souhaiterais m'entretenir avec vous, afin que nous puissions mieux nous connaître. Comment? Passant ce qui passe, je vous ai séduit. Ah, quel bonheur! Sortons ensemble au restaurant! Oh! Allons au restaurant! Quel plaisir! Oh, quel bonheur! Les fiches Bristol ATS. Seulement 1 500 € le paquet à payer par mois. Succès garanti. Bien. Enfin la famille au grand complet. Si je vous ai tous fait venir ici, c'est déjà pour vous dire félicitations. Il m'a suffi d'un simple regard
de quelques instants pour me rendre compte de tout ce qui ne va pas dans cette famille. Évidemment, je pourrais très bien dire que la faute est tout simplement aux enfants qui n'avaient qu'à ne pas naître, qu'on n'avait qu'à les avorter, et puis voilà. Mais bon, là n'est pas le souci. Aujourd'hui, ils sont là, et vous êtes obligés de les supporter. En effet. Alors, je vous ai fait une petite liste non exhaustive des choses qu'il faut faire. Commençons par papa et maman. Ça va être le plus rapide. Alors, papa et maman, il faut que vous imposiez votre autorité. Vous êtes les parents. C'est vous qui devez dire aux enfants quoi faire et comment le faire. Nous sommes bien d'accord. Donc arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et sortez les martinets s'il le faut. Parce que certains enfants en ont bien besoin. Surtout dans votre famille. Et l'autre point, c'est de ne pas vous laisser berner par les enfants. Lorsque, par exemple, Laura vous a dit que ses amis avaient des poupées LOL et que du coup, il lui en fallait une, ben vous, madame, vous lui en avez acheté. 45€ quand même pour le petit morceau de plastique. C'est un peu cher, non? Donc voilà les deux points pour les parents, papa comme maman. Maintenant, passons au plus amusant. Jules et Laura. Tout d'abord, Jules, tu dois arrêter de te plaindre pour un rien. Par exemple, ta maman m'a raconté ça, que lorsqu'il y avait une photo de classe, tu n'arrêtais pas de te plaindre parce que tu n'avais pas des chaussures qui étaient à la dernière mode. Genre des Nokia 500 ou des Nike, je ne sais plus, peu importe. Il ne faut pas te plaindre pour un rien. Sinon, personne ne t'aimera et aucune fille ne voudra sortir avec toi. Pas même moi. Ah oui, aussi, arrête de te comparer à ta petite sœur. Vous avez 6 ans d'écart. C'est beaucoup. C'est comme si moi, je comparais ma taille de poitrine avec Nabila. Alors que elle a du silicone, elle triche. Enfin, il faut que tu apprennes à t'exprimer calmement. Lorsque tu veux quelque chose, tu le dis calmement. Par exemple, au lieu de dire « Oh mon Dieu, je crève de faim !» À la place, tu dis tout simplement « Maman, je souhaiterais manger. Qu'y a-t-il au menu ce soir? Je mangerai tout ce que tu nous prépares de bon. » À présent, Laura, la petite dernière. Tu dois arrêter de courir dans tous les sens. Nous ne sommes pas dans un épisode de Zig et Charcot. Il ne faut pas courir partout. Là, ou alors faire le diable de Tasmanie et mettre du bazar partout. Aussi, il faut que tu arrêtes de parler fort. Parce que là, lorsque vous étiez à table, papa et maman étaient à moins d'un mètre de toi. Et tu leur parlais comme s'ils étaient à l'autre bout de la ville. Ce qui est très dangereux pour les parents, car ils sont très sensibles aux oreilles. Enfin, tu dois aussi tirer la chasse d'eau, car lorsque j'ai voulu y aller, ça sentait très très fort. Enfin, tu dois arrêter de gaspiller le maquillage de maman. Le maquillage de maman, c'est à maman. Aussi, elle doit se faire belle afin de pouvoir aller aux soirées chic, ou alors aller chez Dépressif Anonyme, pour se sentir belle. Elle en a besoin. Pas comme toi quand tu veux te faire belle mais en devenant moche. Tu comprends. Donc à présent, trois règles pour Jules et Laura. Il faut laisser les parents travailler tranquillement dans leur restaurant. Car c'est leur seul moyen de gagner honnêtement leur argent. Et pour cela, ils doivent travailler, ils doivent faire venir des clients. Alors il ne faut pas faire de bazar dans le restaurant, autrement dit, ben là c'est le deuxième point, qui est qu'il faut cesser de déranger le restaurant. Ça va avec le premier point. Et ben, par exemple, lorsque vous aviez fait venir des lapins dans un restaurant vegan d'ailleurs, ah non, pas vegan,
Il n'empêche qu'il y avait beaucoup de salade qui a été mangée, hein. 95%, c'est ça? Oui. Enfin, le dernier point. Il faut arrêter d'enquiquiner les parents. Par exemple, comme tous les dimanches matins, lorsque vous sautez sur leur lit pour les réveiller à 2h du matin. C'est très tôt, 2h du matin. Surtout que c'est le seul jour de la semaine où ils ne travaillent pas. Vous comprenez ça, les enfants? Alors à présent, passons à l'aînée. À la nénée. Haha, Nabila. Tu dois porter des habits plus adéquats. Sinon, tu risquerais d'avoir des problèmes en passant dans les ruelles sombres de Paris. Surtout dans le 16e arrondissement. Habille-toi comme moi et tu n'auras pas de soucis. Car là, tes habits te font vraiment ressembler à un animal. Aussi, tu dois passer plus de temps avec la famille et moins avec tes amis virtuels. Tes parents, ton frère et ta sœur sont ici. Lorsque tu as un souci, tu peux les voir et en discuter. Ils sont là. Quand ils ne seront plus là, tu le regretteras. Il faut profiter d'eux, alors que tes amis virtuels, ils ne vont pas venir le jour de ton anniversaire. À ça non. Aussi, tu ne dois plus regarder la télévision. Surtout Énergie 12. C'est interdit pour toi maintenant. Car apparemment, ça a l'air d'avoir influencé ton apparence physique et ton intelligence mentale. Et bon, ça c'est déjà dans le premier point, qui est que tu dois mieux t'habiller. Et bon, c'est l'influence de la télévision. Aussi, tu ne dois plus te doper à la silicone. Tes poitrines sont disproportionnées. Un jour, tu vas tomber en avant et tu ne pourras plus te relever. À moins de te donner un coup de couteau pour que tes poitrines soient de taille normale. Tu comprends ça? Enfin, il faut que tu penses à ton avenir. Tu ne vas pas passer toute ta vie enfermé dans ta chambre et à lire des bandes dessinées et à téléphoner à ton Mehmed. À un moment, il faudra aussi que tu penses à ton avenir, à ce que tu vas faire de ta vie, comment tu vas gagner de l'argent. Ah, vous m'agacez, hein? Ah, mais vous êtes une grosse tarée! Arrêtez! Ah non! Oh non, Mehmed va plus m'aimer! Oh non! Plus personne va m'aimer, j'ai envie de décéder! Ça défoule! Vous voulez que nous soyons honnêtes? Vous voulez que j'arrête de tergiverser? Très bien. La vérité est celle-ci. Je suis arrivé ici il y a quelques millions d'années. Afin d'analyser le comportement humain, afin de voir comment votre espèce évoluait. Mais en observant différentes familles, dont la vôtre, je me suis bien rendu compte que l'espèce humaine est en train de se dégrader. Qu'elle court à sa perte. Ainsi, vous n'êtes pas digne de faire partie du grand groupe des de la galaxie de... Sur ce, adieu, je repartirai sur ma planète.